Beau matin à toutes et tous, on se retrouve pour le dernier message de cette semaine, car vous savez que je termine avec vous le vendredi. Nous sommes vendredi 12 mai 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Avant de commencer, j'ai le choix de nourrir le positif en moi ou de nourrir le négatif. Le plus fort est celui que je nourrirai le plus. Eh bien, aujourd'hui, j'ai pigé manque. Ton âme vient te dire, tu me manques. Et je sais que tu ressens que nous nous sommes éloignés, car tu ressens souvent cette énergie de manque. Tu ne sais pas forcément l'exprimer, mais tu ressens que quelque chose n'est pas là. C'est notre relation à nous deux, notre union et notre osmose. Pourquoi ne penses-tu pas à moi? Et pour répondre à cette question, eh bien je t'invite à te demander pourquoi tu ne penses pas à toi. Pourquoi tu remets toujours à plus tard ces moments que tu souhaites prendre pour toi? Pourquoi remets-tu toujours à plus tard les choses qui peuvent t'apporter un certain bien-être? Pourquoi remets-tu toujours à demain ces moments de pause que tu attends depuis si longtemps? Je ne sais pas forcément quoi te dire pour te guider vers moi. Tu connais le chemin, tu as juste besoin de le prendre. Alors reviens vers moi. Reviens vers nous. Écoute l'appel de ton âme, eh bien, qui te demande de te retrouver pour te sentir de nouveau comblé. Message de tes guides, tu es dans une énergie de transformation intérieure. Tu peux même le ressentir physiquement par des sensations de chaleur, dans différentes parties de ton corps physique. Tu es en train de créer un nouvel espace intérieur et tu es en train de modifier de nombreuses convictions. Eh bien, cela est passé par une très grande période de doute, voire une pénible nuit noire de l'âme. Tu as tout remis en question. Tu as tout nié. Tu as même tout annulé. Cette période était très importante pour que tu puisses équilibrer ton ego, tes énergies et ta spiritualité. Eh bien, tu es en train d'achever cette transformation intérieure. Tout est en train de reprendre un nouveau sens. Fais confiance à cette transformation intérieure. Demande de l'aide si tu en ressens le besoin. Et cela va te permettre d'être, eh bien, dans une nouvelle connexion avec les synchronicités. L'entité te dit, tu me manques et je sais que je te manque aussi. Je sais que tu peux souvent pleurer, je le sais, car je suis très souvent à tes côtés à ces moments-là. Ce qui me manque, c'est notre complicité, ta présence physique. Je sais que parfois tu cherches à renier ce manque en laissant la colère te guider. Je sais aussi que voir des signes peut aussi t'énerver, car cela te rappelle que je ne suis plus là. Tu as comme un goût d'inachevé, quelque chose qui n'a pas été fait ou qui n'a pas été dit. Et tu as l'impression que ce n'est pas juste et que je devrais davantage me manifester. Pourtant, je suis bien là, tu sais, tout près de toi. Ma présence n'est pas là pour combler ce vide que tu ressens. Elle est là pour t'aider à finaliser ton deuil, pour que tu puisses accepter que notre relation ait changé, mais que notre lien d'amour est intact. Je suis là. Je t'aide à te connecter à tes capacités de divination qui sont très puissantes actuellement. Plus tu vas te connecter avec ton chakra du troisième œil, et bien plus tu vas ressentir mes énergies. Alors, fais-toi confiance et ose découvrir ta spiritualité. Très beau message pour terminer cette semaine. Et j'ai pigé dans la guérison des 5 blessures, une carte d'injustice, l'injustice. Aujourd'hui, je décide de prendre un temps de détente, de plaisir, même si mes tâches ne sont pas terminées. Je le fais sans me justifier face à moi et aux autres. Si cela m'est impossible, je prends le temps de bien ressentir et de noter les peurs que j'ai pour moi si je consacre un temps au plaisir. Je me donne alors le droit d'avoir peur pour le moment en y faisant une petite place dans mon cœur. Je vous souhaite une excellente journée, un très joli week-end, et puis dans l'amour inconditionnel, le rire, la joie, quoi dire encore? Oui, dans la joie, c'est important, le rire, la bienveillance, la tolérance, l'empathie, tout ça, ce sont des valeurs qu'on m'a inculqué, que j'ai inculqué à mes enfants, et que je continue à vivre avec ces belles valeurs. Voilà, je vous souhaite tout le bonheur du monde, hein, bien sûr. Et puis on se retrouve pour une prochaine capsule, et puis d'ici là, prenez soin de vous. Mais en douceur, hein, vraiment. Prenez soin de ceux que vous aimez, prenez soin de ceux qui vous entourent. Et moi, je vous embrasse. À tout bientôt.